Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et en fait j'ai reçu pas mal de DM sur Instagram me demandant voilà comment je peux faire pour acheter telle paire etc. La plupart du temps c'est souvent des paires limitées que vous me demandez, donc c'est des paires voilà qui une fois sorties sont souvent sold out directement et derrière on peut pas les retrouver sur les sites lambda où ils ont été mis en vente ou même via raffle etc. Donc c'est souvent des paires qui sont pas forcément évidentes à trouver. Je sais que un certain nombre d'entre vous savent maintenant comment on fait pour aller dénicher des paires hype, notamment sur les sites, etc. Parce que voilà, ça a été bien communiqué. Et je sais que malgré tout, il y a quand même des gens qui ne savent pas forcément où ils peuvent aller acheter des paires. Donc des fois, ils vont aller se diriger sur des sites où c'est pas forcément fiable. Ils vont voir des prix assez intéressants et ça va souvent être du fake, etc. Donc pour éviter toute méprise, moi je vais vous proposer des sites qui sont 100% fiables et authentiques. Au niveau des prix, voilà, c'est des prix de resell. Donc c'est des prix qui sont forcément plus chers. Ce ne seront pas des prix retail. Voilà, les prix retail, c'est les prix que vous allez pouvoir choper directement quand vous achetez la sur le site à sa sortie ou en raffle, et après derrière il y a le marché secondaire avec la revente et là les prix ne sont pas les mêmes. Donc du coup ce que je vais vous proposer au niveau des sites, c'est des sites qui proposent justement des prix au resell. L'avantage c'est que derrière c'est des sites qui authentifient les paires, c'est 100% fiable, authentique, et il n'y a aucun souci sur la livraison etc. Vous recevez bien vos paires, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous proposer un petit panel de sites comme ça où vous pouvez aller à droite à gauche. Je vais vous proposer quelques shops également où vous pouvez vous rendre directement si vous habitez en région parisienne. J'espère que ça vous plaira et sur ce on y va. Alors pour commencer, et c'est un site qui est très connu, voilà, qui est mis en avant par beaucoup d'influenceurs également, je vous le propose parce que je sais qu'il est fiable, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est With A New. Ce qui est cool avec ce site, c'est déjà que je le trouve super intuitif. Vous pouvez trouver des paires, de la sap, vous pouvez retrouver également la collection Ikea avec Virgil Abloh, toutes ces choses-là. Donc ça c'est vraiment complet, donc ça c'est un réel avantage. Donc il y a énormément de paires, généralement voilà, ils sont assez vifs sur ça, il y a généralement toutes les nouvelles paires qui sortent, ils les ont, voire des fois même en avance, avant leur sortie. Donc si vous cherchez tout ce qui est des paires de Yeezy, des paires d'Off-White, des Jordan 1, des paires d'Air Force, voilà, où elles sont assez limitées, etc. Tout ce genre de paires, vous pouvez les retrouver sur le site With A New. Et le réel avantage qu'a With A New par rapport à de nombreux concurrents, c'est qu'on peut payer en 3 fois. Donc on peut payer en plusieurs fois. C'est-à-dire que si tu te prends une petite paire, voilà, je sais pas, à 500€, ce qui est un budget, ou même si tu demandes une paire, voilà, je sais pas, à Noël, à tes parents, ou un anniversaire, etc., ils peuvent payer en plusieurs fois la paire, ce qui est un réel avantage quand tu sais que certains prix au resell sont assez élevés. Donc là-dessus, c'est vraiment cool. Donc With A New, voilà, je vous le propose parce que je sais que c'est 100% fiable. Il n'y a pas de souci là-dessus sur les livraisons, etc. C'est en France, donc en plus, si vous voulez appeler le service client, etc., vous n'êtes pas en galère, c'est assez simple de les joindre. Généralement, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont plusieurs tailles. Ils ont souvent toutes les tailles même. Donc si vous cherchez votre paire, vous allez trouver assez facilement sur le site With A New. Ensuite, vous avez également Coproom, qui est un petit peu sur le même modèle que With A New. Donc c'est également très intuitif, ils ont toutes les paires aussi, c'est pareil, ils les ont même en avance, un peu comme With A New. Ils ont vraiment un gros panel de paires, une grosse sélection, ça c'est vraiment bien. Ce qui est bien également, c'est que c'est 100% authentique et les paires sont fiables, voilà, il n'y a pas de souci de fake ou autre, c'est vraiment legit à 100%, donc ça c'est vraiment bien. Les prix sont un peu élevés, voilà, par rapport au marché du resell, mais ça reste, comme vous le savez, une entreprise, faut bien qu'ils fassent un bénéfice, c'est le but principal d'une entreprise. Donc tu vas peut-être payer plus cher, mais au moins tu es sûr d'avoir une paire qui est authentique, c'est ça l'avantage. Donc pareil là dessus ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi retrouver une grosse sélection de sap. Donc il y a pas mal de Supreme, de Off-White, de Palace, etc. Vous pouvez retrouver vraiment une bonne sélection sur tous les drops qu'il y a de Supreme par exemple. Vous pouvez retrouver le lendemain ou même le jour même certains items qui sont sortis le jeudi. Donc ça c'est vraiment cool si vous cherchez un item, vous n'avez pas réussi à l'avoir, bah bam, vous allez sur Coproom, vous pouvez le cop. Il y a également une option de personal shopping, c'est à dire que si vous cherchez un item qui n'est pas disponible sur le site, bah vous pouvez demander à Coproom d'aller chercher cet item pour vous. Et ils vont vous proposer généralement un prix derrière, etc. Alors généralement, ce que j'ai pu voir aussi sur le personal shopping, c'est que des fois, il y a des paires qui sont dispo, mais il n'y a pas toutes les tailles. Et quand il n'y a pas toutes les tailles, vous pouvez justement demander, par exemple, si vous faites un 44, un truc comme ça, qui n'y a pas votre taille, vous pouvez demander à ce que Coproom vous fasse le personal shopping pour aller vous choper un 44 sur la paire que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment bien. Vous n'êtes pas en galère à vous dire, bah mince, il n'y a pas ma taille, etc. Vous demandez, il la cherche pour vous et voilà, vous réglez, etc. Et vous avez votre paire, c'est vraiment top. Alors ensuite, vous avez bien évidemment les sites comme StockX ou Klekt. Alors Klekt, personnellement, moi j'ai pas commandé dessus. Je sais qu'il y a énormément de youtubeurs qui ont fait des commandes
demande dessus, donc je vous invite à aller voir ce qu'ils ont fait, voilà, comment ça se passe pour le procédé, pour le règlement, le temps de livraison, etc. Je vous invite à aller voir ces vidéos là, ça va vous aider un petit peu et ça va vous aiguiller si vous voulez acheter une paire sur Clec. Et vous avez, comme je vous disais, StockX, voilà, qui pour moi reste quand même propre. Je sais qu'il y a eu pas mal de petites polémiques par rapport au fait qu'il y aurait eu des paires fake, etc. Ça reste à vérifier malgré tout. Je sais que ça fait pas partie non plus de quelque chose d'habituel chez eux. Si on regarde le pourcentage de paires fake qui passent et le pourcentage de paires authentiques qui passent, je pense que malgré tout on est sur quelque chose de propre. Après c'est comme tout, il y a toujours une marge d'erreur, c'est jamais 100% sûr. Donc il y a toujours une petite marge. C'est vrai que si vous voulez être sûr à 100%, vous avez With The New Cop Room. Et derrière après vous pouvez quand même malgré tout aller sur StockX où il y a un léger risque, et sur Clec où franchement je préfère pas donner mon avis parce que j'ai pas commandé dessus, donc je sais pas vraiment. Je sais que c'est un site qui est fiable, qui est mis en avant par de nombreux influenceurs également, donc vous pouvez aller également sur Clec. Et il me semble que sur Clec il y a pas de frais de douane, et sur StockX je suis sûr qu'il y en a pas. Si vous me demandez etc s'il y a des frais de douane ou pas, je sais que StockX c'est sûr, il y a pas de frais de douane, j'ai un doute mais je ne pense pas. Et ensuite je vais vous proposer, alors il y a pas mal de shops sur Paris, moi je vais vous prendre ceux où voilà j'ai eu une expérience entre guillemets dans le magasin. Vous en avez deux qui pour moi ressortent un petit peu, donc il y a Clockers qui pour moi est l'un des meilleurs shops sur Paris de revente. Vous pouvez trouver vraiment beaucoup d'items et je trouve que les prix sont vraiment intéressants. Voilà, on est vraiment sur les prix du marché. Vous voyez la paire, voilà, vous avez le prix, généralement vous avez l'état, vous pouvez toucher les paires, etc. C'est des paires qui sont la plupart du temps neuves. Vous pouvez, je pense, trouver quelques paires un peu, voilà, VNDS, donc ça veut dire Very Near to Dead Stock. C'est des paires qui ont été portées mais qui sont dans un état excellent. Vous pouvez trouver ce genre de paires chez Clockers. Il y a une grosse sélection également. Si vous n'êtes pas sûr des sélections de paires qu'ils ont, vous pouvez quand même leur envoyer un message sur leur Instagram. Ils vous répondent, franchement, c'est assez réactif. Dans l'heure, ils vous répondent, ils vous disent directement oui, on a la paire, non, on l'a pas. Ça vous évite de vous déplacer, ça c'est vraiment bien. Et le shop a été fait récemment. Je sais qu'ils ont également une chaîne YouTube, donc je vous invite à aller la voir. C'est vachement intéressant au niveau du contenu et le shop a vraiment été bien refait. Pour y être allé personnellement, c'est archi propre. Voilà, c'est vraiment bien refait. Il y a une bonne sélection d'items. On peut retrouver également tous les petits accessoires Supreme, beaucoup de sapes également Supreme, Palace. Je vous invite à aller directement au shop si vous voulez. Vous êtes également très bien conseillé sur place. Clockers pour moi reste pour le coup l'un des meilleurs shops sur Paris au niveau de la revente. Vous avez également Larry Deadstock. Je vous invite aussi à aller voir au magasin parce qu'eux ils ont aussi une grosse sélection de paires. Alors les prix peuvent varier, voilà, c'est plus ou moins élevé, ça dépend. Je sais qu'ils font depuis peu des paires VNDS. Là vous pouvez vraiment trouver de bonnes affaires à bon prix sur des paires qui sont assez cotées, voilà, des paires assez hype. Des paires VNDS, voilà, c'est des paires qui sont portées 3-4 fois, enfin, ça se voit à peine quoi. Donc au niveau de ça vous pouvez vraiment faire de bonnes affaires. Je sais que comme Clockers ils reprennent également des paires que vous vendez, donc si vous avez cop une paire un peu, voilà, un peu hype, un peu rare, etc., vous pouvez aller les revendre chez ces revendeurs, donc ça c'est bien aussi. Et derrière vous pouvez avoir un avoir pour reprendre une paire ou partir directement avec la somme qui vous sera attribuée au niveau de la revente. Et la Deadstock, ils ont également un site, voilà, je vous invite à aller voir, comme ça vous pouvez voir un petit peu les paires de dispo également. Si vous habitez pas en région parisienne, ça vous permettra de pouvoir commander directement sur le site et voilà, vous évitez de monter sur Paris ou descendre sur Paris si vous habitez assez loin. Alors après je sais qu'il y a d'autres magasins en physique sur Paris, il y en a de plus en plus. Moi je vous ai donné ceux où j'ai déjà eu une expérience dans le magasin, donc voilà, il y a pas mal de personnes qui étaient venues me voir en DM, je me répète un petit peu, mais qui me demandaient voilà comment cop des paires hype, etc., etc. Pour moi et pour certaines personnes aujourd'hui ça peut paraître évident de pouvoir choper une paire de Yeezy facilement, etc., mais pour d'autres c'est pas forcément quelque chose de simple. C'est des gens qui rentrent un petit peu dans la sneakers et qui s'y intéressent, donc j'espère que ça pourra vous servir un petit peu de guide, voilà, si vous voulez vous acheter une petite paire au recel. Et je pourrais également, si vous le souhaitez, vous faire une petite paire pour savoir comment cop des paires au retail, voilà, avec des raffles, où s'inscrire, quel compte suivre, etc., pour connaître toutes les sorties. Je pourrais vous faire une vidéo de ce genre si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et moi je vous dirai par exemple ce que je fais, mes démarches pour pouvoir cop une paire qui m'intéresse. Sur ce, la vidéo est terminée, mais avant de terminer la vidéo je voulais vous rappeler que le concours avec SoWeFresh est toujours disponible. Je vais vous l'afficher ici pour tenter de remporter deux cartes cadeaux d'une valeur de 50€ sur le site. Donc sachant que c'est des paires qui sont en promotion, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, il y a une grosse sélection de paires avec quand même des bonnes tailles. Je vous invite à aller voir le site, à regarder un petit peu, à participer au concours. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien Instagram. Vous allez sur le post, vous lisez bien les règles, c'est super important. Et puis vous participez, ça fait plaisir, et vous partagez à vos potes, etc. Et voilà, il n'y a aucun problème, partagez au max et ça fait plaisir. Sur ce, on se retrouve mercredi soir, 18h30, pour une nouvelle vidéo. Peace.